Hey, salut à tous, c'est Perona, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Jurassic Survival pour une vidéo extrêmement courte pour vous dire qu'il y a eu une mise à jour qui vient d'arriver, c'est la 1.0.2. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Déjà, la bonne, c'est qu'il y a 2-3 choses qui ont changé. Surtout, avant toute chose, ne faites pas la mise à jour. Voilà, je préfère vous prévenir avant, on ne sait jamais si vous quittez la vidéo et que vous faites la mise à jour. Ne la faites pas, pour une bonne raison. Pendant qu'ils ont fait la mise à jour, ils ont eu un problème. À mon avis, je pense qu'ils ont eu un gros problème en faisant la mise à jour. Parce qu'il y a certaines choses. Voilà. Par exemple, les lacs sont en rose. Alors, on ne va pas se préoccuper de ça, ok? Ça, c'est juste un défaut dans la mise à jour. Je pense que d'ici 2-3 jours, ils vont en refaire une pour pouvoir réparer ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas extrêmement grave. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les maps. Voilà. Alors, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Donc, ils ont changé, vous savez, ici. Je sais plus c'était quoi, je m'en souvenais plus, mais en tout cas ils l'ont changé. Maintenant c'est une sorte de décharge de pierre. Voilà, alors on peut toujours pas y aller. Voilà, transport requis. Peut-être qu'avec la monture, on va pouvoir y aller. Soit la monture, soit la Jeep, je sais pas. Alors déjà, il y a ça qui a changé. Ensuite, il y a les baies. Voilà, les baies. Vous voyez les petites baies? Les mangues, excusez-moi. Ces petites mangues-là. Vous avez vu, elles ont changé. Ils ont changé un peu la tête des mangues. Alors pour le moment, c'est les deux seules choses que j'ai vues. Le jeu n'est pas en français, il y a l'interface qui a un peu changé. Voilà, quand vous mettez anglais, voilà, ça a juste changé comme ça. Le jeu n'est pas en français, voilà, il n'est pas encore mis. Je pense que le nouvel événement n'est pas encore là. Vous savez, l'événement de la camionnette retournée. Je pense qu'elle n'est pas là. Ensuite, alors attendez, déjà on va rentrer à la base parce qu'apparemment, voilà, vous voyez le gros point d'interrogation? Ça veut dire qu'il y a le voisin à l'intérieur. Donc déjà, on va aller voir le voisin. Alors attention à vos yeux. Voilà, je préfère vous prévenir avant de rentrer dans la map. Attention à vos yeux. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne faites pas la mise à jour surtout. Je pense qu'il voilà, y a eu un gros souci pendant qu'ils ont fait la mise à jour. Le souci, c'est ça. Le souci, c'est que l'herbe, au lieu d'être verte, elle est rose. Voilà, en gros, c'est ça le gros souci même. Alors attendez. Ok, le voisin. C'est ça que je voulais. J'étais en train de chercher qu'est-ce que je devais faire. Il loue le petit voisin. Alors, je pense qu'ils vont faire une nouvelle mise à jour dans peu de temps. Voilà, d'ici 2-3 jours. Déjà pour la version française. Et surtout pour le nouvel événement. Normalement, demain, il y a une mise à jour. Si je ne me trompe pas, cette vidéo-là sort mardi soir. Normalement, mardi soir, si je peux. Je pense que mercredi, jeudi ou plus tard, il y aura une nouvelle mise à jour. Il a failli s'échapper, l'enfoiré. On va prendre ça, ça, ça. On peut absolument rien prendre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors attendez. J'ai un peu agrandi la maison. Voilà, légèrement. Alors, même si vous changez la qualité du jeu, ça ne fait rien. Voilà. Je préfère vous le dire au cas où. Ça ne fait rien. En fait, c'est dans les sources code qu'ils ont dû avoir un gros, gros souci. J'ai agrandi un peu ma maison. Voilà. Ça, c'est la pièce principale. Ça va être le tissu, tout ce qui est tissu. Ensuite, à côté, là où il y a le palmier, c'est le bois, voilà, tout simplement. La salle de pierre, j'ai pas encore construit ce qu'il fallait. Ça, c'est les fours. Et juste là, ça va être pour construire les clous, je pense. Donc, de toute façon, on va tout faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Ensuite, on va faire un petit tour sur Twitter. Les développeurs nous ont tweeté une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle. Vous allez voir, dans l'ombre de l'arbre EVA, bientôt dans le monde de la survie jurassique. Alors je vais vous mettre la photo. Voilà, c'est ça. De toute façon, je pense que ce sera la miniature, à mon avis. Voilà, c'est ça. En gros, c'est... Alors, est-ce que ce sera une nouvelle zone ou est-ce que ce sera tout simplement des nouveaux arbres qui vont rajouter dans les zones? Alors peut-être qu'il y en aura un dans la petite jungle, deux dans la moyenne et trois, peut-être ça se passait comme ça. Alors l'excellente nouvelle, c'est que vous voyez le petit fruit là que le mec essaye de ramasser. C'est les 300 fruits qu'il nous faut pour finir l'incubateur. C'est-à-dire qu'en gros, quand les développeurs vont faire cette mise à jour là pour les nouveaux arbres, on pourra finir l'incubateur. Voilà, en sachant que la selle, on peut la construire. Je pense qu'au niveau des ressources, on peut la construire. C'est-à-dire qu'en gros, d'ici peu de temps, on pourra faire la monture. Et ça, franchement, c'est une excellente nouvelle. Alors, petite parenthèse, voilà, parce que j'ai tweeté SOS, mise à jour, tout des... voilà, j'ai tweeté à Jurassic, et en fait, je ne suis pas le seul. Il y a un autre mec qui l'a fait aussi. Donc, apparemment,
au moins, ce qui me rassure, c'est que le problème n'est pas que de mon côté. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour, je vous conseille de ne pas la faire. D'attendre 2-3 jours. Parce que de toute façon, il n'y a rien de spécial en gros. Hein. Les baies ont changé. Ils ont changé 2-3 aspects. Mais je pense qu'il n'y a pas nou le nouvel événement n'est pas là. On ne peut pas le mettre en français. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour, ne la faites là si vous voulez. Moi, personnellement, le rose, ça ne me dérange pas. Voilà. Je sais que ça va durer 2-3 jours. Maximum 3 et qu'ils vont faire une mise à jour. Si ça vous dérange pas, faites-le. Mais voilà, je préfère vous prévenir avant. Si vous faites la mise à jour, normalement, ça devrait se passer comme ça. Voilà, ça devrait se passer comme ça. Alors maintenant, voilà, soit vous la faites, soit vous la faites pas. Par contre, s'il y en a qui l'ont faite, dites-moi si par hasard vous avez vu d'autres objets qui ont changé physiquement. Alors moi, à part les baies et sur la map, le truc des cailloux, l'usine de cailloux, j'ai vu que ça. Pour le moment, j'ai vu que ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses. J'ai trouvé un réservoir de Jeep sur un voisin qui me cambriolait. Voilà. Donc, si un voisin vous cambriole, butez-le direct. Parce que le mec avait quand même un réservoir sur lui et un point américain pratiquement neuf. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, il avait celui-là. Donc, si les voisins vous pouillent, un conseil, butez-les. Butez-les vite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors comme c'est comme ça, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais rush de mon côté et qu'on avancera le camp ensemble. À mon avis. De toute façon, on est mardi. Demain, je pense que demain, il y aura une mise à jour pour l'événement de la camionnette. Si je me trompe pas. Demain ou plus tard, jeudi. Donc, comme ils sont obligés de faire une mise à jour, à mon avis, le problème sera réglé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace. Ok, excusez-moi, petite parenthèse. Il est 18h45 et on est mardi. Les développeurs nous ont fait un petit tweet. Alors attendez. Gars, certains d'entre vous peuvent avoir des ennuis avec Shader dans le jeu Texture Rose. Nous enquêtons sur cette question pour le moment. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. C'est formidable pour une bonne raison, c'est qu'au moins ils s'en sont rendus compte. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, demain, si on a de la chance demain, au plus tard jeudi. Mais à mon avis, je pense que demain ça devrait être bon. Voilà. Peace!